Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles, en ce 9e dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait fêter, selon les rubriques de Saint Pédis, la fête de Sainte Anne. C'est pourquoi le 9e dimanche est seulement commémoré. Et dans ce 9e dimanche, donc, alors justement à la fête de Sainte Anne, nous avons goûté la lecture des proverbes où est chantée, où est louée la mulier fortis, la femme forte, avec tout ce qu'elle fait durant le jour, durant la nuit, le courage, l'honneur, l'énergie, la force de cette femme et qui se reflète ensuite à l'extérieur par l'honneur que reçoit son époux dans la place, au public. Nous avons vu donc comme le labeur, le travail caché, qui n'est pas vu par le monde, de cette femme forte, a ensuite comme résultat le splendeur d'une famille d'enfants bien éduqués, bien élevés, aussi bien en santé, nourris, vêtus, tout cela. Et l'Évangile, qui a un parallèle, qui a un point commun avec cet épître, qui traite du royaume des cieux, avec les différentes paraboles, dont la première, donc, le royaume des cieux, qui est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Et celui qui l'a trouvé, le cache, vend tout ce qu'il a, achète le champ pour avoir ce trésor, et qui est donc le symbole donc du royaume des cieux, de la vertu, de la prière, de l'action vertueuse, la vie selon les béatitudes, selon les conseils évangéliques, selon les vertus. Mais tout ce trésor, toute cette recherche du royaume des cieux est cachée dans le champ. Et le champ, justement, cache ce trésor. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie l'âme qui recherche le royaume des cieux, qui cache au monde ses bonnes actions. C'est-à-dire, les actions, les œuvres elles-mêmes ne peuvent pas être cachées parce qu'on les voit même, elles doivent être vues, comme dit l'Évangile. La lumière, on ne la met pas sous le sceau, et faites les œuvres bonnes afin que ceux qui voient vos œuvres se convertissent, etc. Mais le désir du royaume des cieux, la complaisance dans les actions bonnes, ceci doit être caché au monde. Parce que si cela n'est pas caché au monde, alors le monde deviendra notre récompense, parce que alors nos bonnes œuvres sont faites pour le monde, pour être louées par le monde, pour être glorifiées par le monde. Et alors là, non. Alors ce ne serait pas la recherche du royaume des cieux. Alors le trésor serait dispersé. Mais si ce désir du ciel est cultivé et dans le cœur, sans le disperser au monde, alors le royaume des cieux sera atteint. De même, justement, comme la femme forte qui cache au monde son grand travail durant le jour, durant la nuit, mais dont les œuvres, comme me dit la dernière phrase de cette épître, les œuvres de cette femme seront louées dans la place, sur la place, le résultat. Et à tout cela, nous avons ajouté que, comme il est nécessaire pour une famille, comme elle était la famille de la Très Sainte Vierge Marie, qui donc était née par Anne et Joachim, c'est ses parents, dans le cadre donc d'une famille saine et bien, bien protégée, sainte, ainsi, chaque famille, chaque individu a besoin de pouvoir croître
de pouvoir s'épanouir dans le cadre d'une famille normale, sainte, où la mère donne cet abri, cette atmosphère de accueillance, de sûreté aux enfants, afin qu'ils puissent croître, et aussi au mari, qu'elle donne cet appui, ce confort, ce soulagement dont il a besoin pour toutes ces fatigues qu'il porte à la maison après le travail à l'extérieur. Enfin, toute cette nécessité d'avoir une maison, un chez-soi, une famille dans laquelle vivre, s'épanouir, croître, eh bien, analogiquement, il faut ça aussi dans l'Église. On a son Église, on a sa paroisse qu'on aime, où on aime aller tous les dimanches, recevoir les sacrements, prier. Et c'est un peu ce que nous faisons ici, bien que dans une situation, comme bien vous savez, extraordinaire, non pas seulement ici, mais dans tout le monde, ce qui concerne la situation de l'Église catholique, mais aussi ici, c'est que c'est comme une petite maison, une petite famille, une petite paroisse, dans laquelle donc les sacrements sont administrés, mais cette paroisse n'a pas été instituée par celui qui est dans l'évêché de la ville ici de Trévise, en Nord-Italie, mais elle est née pourquoi ? Elle est née par la nécessité qu'ont les catholiques qui veulent rester catholiques de recevoir les sacrements catholiques et recevoir la doctrine catholique. Donc, c'est une paroisse née et qui existe par le droit de nécessité, qui est prévu par l'Église. Et en plus, dans le concret de ce lieu ici, il porte un nom. La maison ici porte le nom Domus Marcel Lefebvre. Et puisque nous avons reçu de plupart des observations, des demandes, des critiques, mais vous qui êtes cédébacantistes, vous qui dites que l'Église officielle n'est pas l'Église catholique. Mais pourquoi vous portez le nom de Marcel Lefebvre ? Ça ne va pas, ils disent. Parce que Marcel Lefebvre, il reconnaissait le pape. Puis il a créé une grande confusion parce qu'une fois il disait qu'il est pape, ensuite il disait qu'il était l'antichrist. Ensuite, il y a des critiques qui ajoutent même qu'il était apostat, et qu'il reniait la foi parce qu'il reconnaissait Jean-Paul II, mais en même temps, il refusait de lui obéir. Il avait fait les évêques en 1988. Et cette politique ondulante, basculante, une fois Jean-Paul II était pape, une fois il était l'antéchrist, tout ça aurait donc créé rien d'autre qu'une grande confusion. Et alors la demande, la critique, pourquoi vous appelez votre chapelle, non on n'a pas la chapelle, mais la maison Domus Marcel Lefebvre, alors je veux répondre, essayer de répondre pour tranquilliser, parce que justement là où on reçoit les sacrements, on les donne, il faut aussi qu'il y ait de la sérénité et la paix, qu'il n'y a pas l'excitation, la constatation, non, nous ne voulons pas de ça et nous ne voulons pas non plus faire la polémique avec ceux qui nous font ces questions, ces reproches, ces critiques, mais nous voulons simplement éclairer deux points. Il est vrai que si on cherche dans les textes et dans les sermons, il est vrai qu'on trouve des fois qu'on affirme qu'il est pape et d'autres fois qu'on affirme pratiquement qu'il ne l'est pas, pour le dire en termes simples. Mais cela a une raison, parce qu'il est parfaitement normal que lorsque l'Église, et maintenant nous parlons
60 ans après, lorsque l'Église a trahi, s'est trahie elle-même, dans le sens que les membres de l'Église ont trahi l'Église du Christ, qui bien sûr ne peut pas se trahir, ne peut pas faillir, ne peut pas cesser clairement. Mais les membres de l'Église, oui, peuvent cesser d'être membres de l'Église, peuvent trahir l'Église du Christ. Ce qui s'est passé au Concile Vatican II, là c'était le grand moment de la rupture. Et l'Église que nous savons aujourd'hui être issue de ce Concile, l'Église qui est issue de ce Concile que nous savons ne pas être l'Église catholique, oui, nous le savons aujourd'hui en 2015 avec certitude, mais ce n'était pas aussi clair et certain en 1980, même 20 ans après le Concile, 85. Donc, première conclusion, il est parfaitement normal qu'il y ait eu un temps, aussi très longtemps, de perplexité, dans lequel on se posait les questions, on cherchait de comprendre. Sont ces personnages catholiques ou non ? Sont-ils membres de l'Église ou non ? Et par conséquent, ont-ils encore leur charge dans l'Église ? Et c'est, ce sont des questions tellement graves qu'il était légitime qu'aussi pendant un long temps, on essayait de comprendre, de voir si c'était quelque chose de passager, si c'était un incident. Et c'est pour cela qu'on s'explique qu'il y a eu ces différentes et apparemment contradictoires expressions de la part de Mgr Lefebvre, qui disait une fois il est pape, une fois qu'il n'est pas pape. Mais ce qui fait si qu'il n'y a pas de contradiction, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'après avoir réalisé qu'il y a cette perplexité, ce doute, eh bien on a comme appuyé la friction, je pense qu'on dit comme ça, et enlever la marche en disant, puisque là on ne comprend plus, en attendant nous avons le doute que Paul VI, ou surtout après Jean-Paul II, soit le légitime pasteur. Il y a un vrai doute. Nous nous réservons pour le futur de résoudre ce doute en déclarant qu'il n'est pas catholique et que par conséquent il est déchu de sa fonction, si jamais il l'a eu. Entre parenthèses, aujourd'hui nous savons qu'il n'est pas besoin d'une sentence d'un tribunal ecclésiastique pour affirmer et déclarer ce fait d'échéance de la charge pontificale. Même pour l'évêque de Rome. Eh bien, ceci explique et justifie l'attitude basculante pendant de longues années. Et si à cela on ajoute que ce basculement dans le dire « il est pape, il n'est pas pape » a quand même une progression dans le temps qui tend toujours plus vers, disons, 1987, lorsqu'il était dit à Paris, à École, aux fidèles, qu'il faut résoudre la question de l'autorité, autrement, comme vous vous rappelez, les mêmes traditionnalistes perdront la foi. Ensuite, il y a les consacrations épiscopales. Avec les consacrations épiscopales, qui se justifient justement par le fait qu'on a donné la prémisse « nous ne savons pas si ça, c'est l'autorité », nous nous exprimerons plus tard, en attendant, nous ne la suivons pas parce que nous ne savons pas si elle l'est, et donc dans le doute, il a le devoir de s'abstenir. Après, on est arrivé à déclarer que justement, cette Église officielle, et ceci est dit et écrit dans les bulletins même de la fraternité de l'époque, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Si Mgr Lefebvre n'a pas déclaré le siège vacant, c'est parce que, et c'est mon interprétation, parce qu'il considérait qu'il faut dire beaucoup plus. Il ne suffisait pas de dire tout le monde est catholique sauf Wojtyla. Mais il fallait dire ce qu'il a dit, il a écrit,
que toute cette église officielle n'est plus l'église catholique. Et ça, c'est quelque chose bien de plus grave et plus grand. Et tout cela justifie justement cette lenteur et cette apparente, mais seulement apparente, contradiction dans l'agir. Et donc, j'invite tous ceux qui ont mis ces objections, ces doutes, pourquoi ici on fait référence à Mgr Lefebvre, d'étudier cela et comprendre que justement, d'autant plus que ici c'est un lieu qui naît du droit de nécessité, d'autant plus il faut avoir des références. La référence est Mgr Lefebvre, parce que je suis certain et convaincu de continuer en ligne directe l'esprit, l'intention, le agir ecclésiastique qu'il nous avait transmis. Et en même temps, puisqu'il est décédé, je suis allé à la recherche d'évêques vivants. Et je suis heureux d'être arrivé à la connaissance de Mgr Pivarunas, auquel je fais maintenant référence et qui devra nous venir visiter en fin d'année, pour tant que possible dans cette situation avoir justement un rapport avec un évêque, une soumission à un évêque, c'est normal dans la mesure du possible, parce que bien sûr ce ne sont pas des juridictions ordinaires, ce sont des juridictions extraordinaires, mais quand même dans la mesure du possible, dans l'extraordinaire il faut imiter l'ordinaire, et ce que nous essayons de faire. Et voilà donc que j'espère avoir répondu aux éventuelles objections, afin que tous ceux qui sont un peu tourmentés par ces questions se mettent le cœur en paix et sachent donc qu'il faut avoir le cœur en paix pour pouvoir agir en paix, et pour se sanctifier et recevoir, donner les sacrements, il faut qu'il y ait de la sérénité et de la clarté. Donc nous demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de nous sanctifier ici avec sérénité pour la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.